It's raining glory. C'est un psychopathe. Oh oui. Vous raclez délicatement le dos de votre petite grenouille. Salut les amis, comment ça va? Alors voilà, aujourd'hui petite vidéo. Excusez-moi, j'ouvre ma porte avec mon café dans la main. La bonne vôtre. Petite vidéo. Hop là, voilà. Succincte. Concernant l'IVA, donc International Waffenaufstellung, n'est-ce pas, dans la formidable langue de Goethe. Et cet IVA, eh ben, je vais pas vous le raconter en détail non plus, parce que, bon, déjà, vous avez d'autres chaînes qui l'ont fait avant moi. J'en parlerai probablement moins bien qu'elle. Mais surtout, en fait, je vais essayer de vous faire un truc un peu succinct, parce que, selon moi, il n'y a pas d'intérêt à vous raconter ce qu'il y avait pour une simple raison, c'est que c'était pas terrible. C'était vraiment pas top. Il y avait... J'ai vu 2-3 trucs intéressants, vous verrez. Chez Brixia, j'ai vu une réplique de fusil à mèche. Qui est peut-être pas super élaborée, mais elle a le mérite d'exister. Et ça, c'est... voilà. J'ai découvert que Ardessa existait encore. Pourquoi pas, hein. Chez Walter, par exemple, il y avait une petite nouveauté en 22, là, je me souviens plus comment il s'appelle, le CSP, le QSP, je sais plus. Mais franchement, j'ai trouvé ça de bonne facture, de bonne qualité. Je préviens, on a commencé à avoir les tarifs, ça va être cher. Ça va être cher, ce qui va faire que je vais pas m'en prendre un, parce que... voilà. Sinon, bon, bah, évidemment, les armes turques, hein, là, il y avait une majorité de fabricants turcs. On va se faire bouffer, hein. C'est, soyons clairs, on va se faire bouffer, ils sont prêts. Ils ont encore pas tout à fait compris le marché ouest européen, mais ça va venir. Ce jour-là, on va se faire avoiner, sincèrement. Pour le reste, vraiment, les majors ont été en dessous de tout, quasiment. Si, Walter, Sig à peu près. Les autres, sincèrement, c'était... on a vu un truc rigolo chez Glock. Mais en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. En fait, je crois qu'ils choisissent juste pas les bons commerciaux chez les Majors. Smith & Wesson, ça a été insultant, limite. Les mecs, ils ont pas sorti le matos de la journée où j'y étais. T'es là, mais les gars, ça sert à quoi de venir si vous nous montrez pas les flammes, quoi, au bout d'un moment. Pour ce qui est des armes plus ou moins anciennes, des répliques... Pedersoli, catastrophique. C'est littéralement le même stand depuis depuis toujours, quasiment, hein, c'est de pire en pire, et vous verrez, il y a un modèle exposé là, c'était atroce, quoi. Moi, je refuse qu'on me vende à ces prix-là ce genre de bouse. Pour le reste, bon voilà, on fait succinct, j'avais pas beaucoup de temps pour ni beaucoup d'envie, en fait, de filmer. Donc j'ai fait des petits rushs. Ils sont mis bout à bout sans trop de contexte, c'était juste pour que, voilà, vous vous rendiez compte de l'ambiance et que je les garde pas pour moi. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et à plus. Qui font des événements beaucoup plus importants que ça. Ça, c'est chouette, ça. Enfin, ça a l'air, en tout cas. Brixia. Oh là 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 là. Oh là. Oh putain.
Putain, la catastrophe, quoi. Ça, ouais. Ah non, je dis pas, mais... Non, mais c'est pas possible, c'est quoi, c'est au moins le quatrième qu'on voit avec des drapeaux là, partout. C'est bien, bien crade. Oh là. Ah, ça, je suis sûr que ça se vend, là, alors. Ça, c'est clair. Puis alors, ça, je dois bien admettre, il y a un flow. Hein. C'est moche à crever, mais il y a un flow. 410, c'est ça. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils le font dans le calibre, on s'en fout. Là. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est de la rallonge, hein, bordel. Putain, t'as vu le ressort d'extension, n'empêche. T'as vu les ressorts d'extension, hein. Putain, c'est la violence. Ah ouais, le levier d'armement factice, alors ça, c'est trop top, ça. Oh, putain, l'horreur. Oliver Winchester qui se retourne dans sa tombe, quoi. Qu'ils aient mis le logo de merde en plein milieu de... Ouais, bon, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Putain, qu'est-ce qu'ils ont avec les trucs dorés, les mecs? Qu'est-ce qu'ils ont avec les trucs dorés, je te jure. Ah ouais, elle fait très très cow-boy, là. C'est ouais. Ah oui, elle est super bien gaulée. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oula. Oula! Oula, oula! Oh, sans déconner, regarde le boîtier. Ah, c'est trop top, ça. Non, j'espère que c'est ah, mais c'est CZ, putain! Non, sérieux? Bah oui! Ça, c'est une CZ. Ah oui, en fait, c'est les châssis Legacy. Oh là là, là. Ça m'a dégueu, hein. Putain, c'est super dégueu. Cette merde là. Enfin un autre drapeau. Hein? Oh ben, oulala. Putain. Bah à l'époque ça valait rien en tout cas. Ah ouais, parce que ça c'est pareil, ça peut être intéressant, mais il y a personne qui les importe, je comprends pas. Franchement, ouais, beaucoup mieux, enfin, mieux fini qu'un TT33. Ah bah mieux fini, oui. Elle est là. Ah ouais, éjection par contre. Oui, par dessous. Par dessous, oui. C'est toi, quoi. Mmh. Ah, c'est comme le cage. C'est cool, mmh. Oui, bah c'est leur fameux Sunset, là. Thank you.
J'ai aucune putain d'idée de ce que c'est que ce machin. Mais ça existe. Celui-là, il est bon. Ouais. C'est bravo, ça vaut le coup. Celui-là, il est sympa. Ah ouais, alors ça c'est sérieusement dégueu ça. Théodin, ça c'est sympa ça. Waouh, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Tiens, regardez bien, je vous montre à quel point c'est dégueulasse en vrai. C'est le même que celui que j'ai vu. Voilà. Oh là là, le beau jour. Oh là là. Oh oui, le beau jour. Là, tu vois à travers. Là. Oh, c'est bon ça. Oh là là, comme c'est bon ça. Oh là là, oui. Oui. Oh là là, c'est bien dégueulasse tout ça.